Je montre mon temps. Oui. Je passe pas en fort, ok, parfait. Alors, ouvrez votre carte. Bon, où on se trouve, pas de piège. On est ici. On va partir sur une progression linéaire. Hein. On va suivre la côte, tac tac tac, jusqu'à reprendre toutes les villes. Donc, comment ça se passait? Ça se passait ainsi. On va être appuyé par le BMP3, qui est du coup avec nous, avec Alpha, et les T90 qui vont être en support détaché sur les hauteurs. Alors, nous, il est prévu qu'on arrive par la route, on sera derrière le BMP3. Le BMP3 fera un arrêt. Je pense qu'il s'arrêtera avant la lisière ici, et pour nous dire, le temps que se mettent en place les tanks, ce qui se passe sur la ville de Kamenka. Nous, on poursuivra, on rentrera dans la ville, si c'est possible avec l'avancée du BMP. On déposera les véhicules en sécurité, je pense, sur ces baraques-là, ou alors dans ce bosquet-là, et on profitera de sa couverture pour avancer. On rentrera en ville avec Bravo, et on fera du porte-à-porte jusqu'à traverser la ville. Si, je dis bien si, la résistance dans la ville de Kamenka est trop forte, il est prévu la chose suivante. Bravo sera ici sur le point Bravo en 016-131 et avancera de maison en maison sur le flanc sud du village. Nous, Alpha, on sera plus bas, on ira jusqu'à la plage, on remontera la plage en sécurité avec le dévers des dunes et on remontera au niveau du port, le port qui se trouve en 018-132. La chose suivante, on va embarquer à bord de véhicules pour la progression véhiculée. Équipe d'assaut, je le répète, ce sera rouge et vert. J'ai pas forcément de préférence. Dans tous les cas, vous allez vraiment avoir à bosser. Donc Bud et Ragboy, bosser en parallèle. Sauf en déplacement, bien sûr, colonne. Hein. Vous évitez d'avoir une silhouette trop large, donc vous restez en colonne. Bien sûr, en ville, vous passez avec vos escouades comme vous préférez pour les TL, hein, j'impose pas de. On va pas faire des connes de 10 mecs, ça ne l'aurait pas à grand chose. Et pour le coup, Enor, tu seras en support avec moi, on te placera toujours à bonne distance pour que tu puisses soutenir les équipes d'assaut. Alors ça c'est pour le premier village. Le second village, alors pour le moment, on va voir comment ça se produit, comment ça se passe pour Kamenka, le second village de Komarovo. Il est prévu que l'on passe toujours côté route avec ce repli par la plage et Bravo ferait pas la route aussi avec un repli côté nord dans la Pampa. Et donc nous on taperait en priorité le débarcadère et la ville pour Bravo. Ensuite Balota. La Balota problématique, comme vous voyez, découvert que ce soit côté plage au sud ou côté nord dans la Pampa. Donc il est prévu qu'on ait le support des tanks pour faire un bond entre Komarovo et Balota. Bon, on n'est pas encore là, mais c'est prévu ainsi, ok? Et pour la suite, le plan est en route, on vous le fera en temps voulu, ok? Ok, c'est 4, allez-vous très bien. Ouais. Je suis sur la 100, si t'as besoin du coup. Juste une question, ça de règle de verre. Ouais. Quand on va progresser, Bravo restera toujours à leur point de flèche, ou est-ce qu'ils avanceront avec nous sur l'extérieur du village? Alors, si tout se passe bien, ils avanceront avec nous. Et nous, on s'occupera de l'intérieur avec Rouge. Exactement, nous on a pour progression la ville et Bravo aussi, donc du coup il faudra se partager ça. Donc bon, on se partagera ça je pense par rapport à la route. Hein. Pour le moment, on a ce point de repli par rapport à la plage pour Alpha si vraiment la route est inaccessible. On va voir ça d'ici je pense 30 secondes vu qu'on vient à côté. Une observation de la part de Bleu. Ouais. Notre MG est fourni, enfin peut fournir. Voilà, on découvre ensemble le travers de manœuvre, on a beaucoup d'objectifs. Bonsoir, c'est un deux sentinelles, on est dans le BMP, prêt à partir sur ton ordre. Allez, vous passez les camions devant moi, là, les deux. Ou KZ dans le premier, là, le plus gros, pour voir tout le monde passe. Ok, on monte. Donc bonsoir à tous, c'est Ragboy, on se retrouve ce soir avec une mission russe. Allez, on était dans le camion, rouge et vert. C'est parti. On embarque. Ambiance Tchernarus. Et bah, ça fait bien plaisir de retrouver cette ville. Je rentre là-dedans. Cette ville, tout du moins cette île, cette map, qui pour moi est synonyme aussi des fois de mort, parfois même
parfois même beaucoup de morts. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Vous verrez dans les statistiques. Bon. N'hésitez pas à aller voir les statistiques dans la description. N'hésitez pas aussi à remplir le questionnaire dans la description. Ça me fait très plaisir que vous mettez des commentaires. Je lis à chaque fois. J'ai encore des problèmes avec Sony Vegas. Si quelqu'un veut me donner des cours sur Adobe Premiere, je suis preneur. C'est vraiment gentil à lui s'il veut bien se dévouer. Surtout que j'ai très peu de temps. Mais bon, c'est comme ça. Bientôt les vacances pour moi. Mercredi, je n'assurerai sûrement pas de live suivant les gens. Si, je suis là. Je bloque complètement le véhicule. Affirme pour vert. Ok, Arié, tu débarques. Ragboy, tu prends le volant. Affirmatif. Ouais. Ok, ça marche. Bah, du coup, on a une place à l'arrière. C'est bon? Je vais m'avancer devant avec Anuaz et vous allez me suivre pour Ragboy. T'es Ragboy pour tout vert, c'est bon? Reçu de Arié. C'est ok, je vois pas ce pote par contre. Bien sûr, je suis à bord. Ok, c'est bon. Je suis juste à l'avant. Ah, t'es avec moi. C'est le conducteur? Ok, de Ragboy en conducteur, prêt au départ. Oh okay, merde. Bah, tu vas me suivre avec moi de C4, je suis le véhicule UAS devant toi avec un AG30 sur la carrosserie. Allez, dis qu'il y a quelqu'un qui va prendre la tour. Ok, bien pris, j'attends. Je m'aligne. Ah, ça va être la merde. Oh merde, il n'y a pas de gars sur la tourelle. Vert pour C4, tu veux pas un gars sur la tourelle? On va voir ça, déjà on va sur les véhicules, on se met en place. On va se faire un AG30, c'est du cadeau ça. Ouais, pour ton MG. Dire que je joue pas à Euro Truck Simulator, mais je devrais. Belle manœuvre. Il a pas mis le clignotant. Attends. T'as pas l'impression de transporter du bétail là? Juste des veaux. Avec tout ce bruit derrière. Allez, vous avez suivi, on va se garer sur le côté droite, on est parti. Vert, je te suis. Et c'était pas 107.3, le médic, le radio wave, enfin le SM. Si c'est vrai, il manque quelqu'un, mais son radio il est à l'arrière. Est avec nous, Ah bon? Le radio est avec nous, enfin l'un des deux. Ouais, le radio parce que je vois pas ce sac à dos derrière. Ok, de BMP3 pour Alpha. On va vous suivre pour la progression, je recommande d'avancer tranquillement jusqu'à la cornière suivante, 0 unité 4, unité 3-0, Alex. Pavé numérique 5. Vous ferez votre coup au canon et vous me direz si on peut avancer. Dans ce cas-là, on progressera avec vous, ok? C'est bien pris, Alpha, on commence la recours, on avance sur la route terminée. Bah, je vous en prie, passez devant, on vous suit. Tout dans la pour Ragboy, dès que BMP3 est passé, tu en qui avec moi, c'est parti. Faire bien pris. Cette courtoisie. Cette politesse dans le geste. Il ructe de joie. Par contre, il aurait pu régler un peu mieux le diesel de son tank là-bas. Ah oui la vache. Toi sœur à gauche dans les arbres. Ok, tu me fais une reco à BMP3 et à non débarque des véhicules. Affirmatif, on commence la reco. En tout cas il y a du feu. Tu en débarques t'azimut. Allez vers vous débarquez. On débarque? Merde. T'as quelque chose? Ah les bleus à l'arrière. Vas-y ce pote, on est là. Avance pas trop, colle pas trop à l'avant. Pas trop. Ouais, je vais peut-être Ok, de Ragboy à vert, on va se coller là sur la route d'abord pour se regrouper ensemble avec ce pote et tout. Et on va repartir. Voilà, parfait. Ok, prêt. On fait un petit tour dans la forêt. Ouais, pas trop loin, ouais. Juste un arbre. Ouais, stop. Deux sentinelles pour Alpha. L'entrée du village a l'air dégagée, pour le moment on voit pas grand chose, quelques épaves à l'entrée. Mais à part ça, aucun mouvement. C'est bien pris, BMP3, vous allez vous diriger à l'entrée du village en 016-131. Je vous mets un point d'arrêt, ça sera la route, hein, ok? Bon, Sopot, je laisse ma place. Ok, Ragboy, tu seras équipe de tête, on va checker d'abord le côté sud par rapport à ce village, par rapport à la route.
Donc on va progresser avec moi là, deux carré jaune, Ragboy en tête, suivi de Bud okay, nickel, et suivi de Enor. C'est parti. Vert bien pris, allez on ouvre la marche. On passe par l'extérieur ou par la route? Vous passez par l'extérieur et arrivé à ce point, je vais mettre une flèche. Arrivé à la flèche jaune. Arrivé à la flèche jaune, je veux que l'équipe de Bud aille sur la position position unité. Voilà, donc en gros, vous occuperez pour Bud du port et Ragboy finira la ville, ok? Vert bien pris. Bleu dans ces cas-là, on suit qui? Vous resterez en retrait à couvrir les deux unités, vous arrêterez sur le point la croix jaune par ici, ok? Enfin, de couvrir les deux, d'accord? Bien pris. Difficile hein, de se concentrer. Qu'est-ce qu'on a dit, Sopote, sur les coins? Tu peux dire quand tu repars parce que j'ai carrément oublié là. Echoing, monsieur. Non, j'ai rien entendu. Alex, hein, tu répètes, s'il te plaît. Ouais, reste debout. Je suis jusqu'au coin. Ragboy, on est parti. Ragboy, de vert, on progresse, on continue à avancer, là. On avance, c'est parti. Ça repart. Mets-toi en voix forte, ce pote, s'il te plaît. Ok. Ou alors, utilise la radio. BMP pour Alpha. BMP, j'écoute. Je propose que vous nous joigniez si besoin sur la 410, étant donné que vous avez beaucoup de com sur la 100, c'est difficile à suivre. Non mais ils sont sérieux 110, quoi. 110, unité, unité 0. Bah je comprends pourquoi ce pote il est pas STL. Hein. C'est où la flèche jaune Je sais pas. Bah, j'ai qu'une carte hein, comme toi. Alors attends. On va longer la voie de chemin de fer niveau vert. Nous appuyer les plus okay. Ok, on a largement dépassé la flèche jaune. On est à la croix jaune. Voilà. Sopote, tu peux dire quand tu pars, s'il te plaît? Ah, j'avance juste au niveau du petit retrait. C'est tout. On va mettre à l'abri. Même. Donc on attend que nos petits amis en rouge rentrent dans le port avant de progresser ou... Vert est au niveau de la croix jaune. Vert est au niveau de la croix jaune. C'est bien pris. Alors du coup, croix jaune, tu resteras ici Nord, en support. Je vais avancer les BTR. Et Bud, tu rattrapes ton retard et tu vas sur le rond jaune, s'il te plaît, au plus vite. T'es bouché en mouvement. Ça peut être... oui, bleu bien pris, on prend la place dès que vert est parti. De vert pour C4, on continue à notre avancée. Stabilise un petit peu, il voit avec Bud, hein, si à ton niveau, je vous conseille quand même assez okay, proche, restez ici, bougez pas. Okay. Tu les vois Bud non. Bah, tu fais signe à Ragboy quand tu vas sortir. Ouais, ouais, je les vois. Ok, vert à visuel sur rouge qui vient de rattraper son retard, ils sont au même niveau que moi. Très bien, tu peux poursuivre et vous donc passer la petite route là qui est en 019 130. Vous poussez jusqu'au fond du village en 020 130. La maison, dernière maison à checker, ça sera celle avec le petit point jaune. Ok, de vert bien pris, on y va. Ok, on va faire stopote, on va faire. Ok, BTL. C'était pas pour les TL, hein, c'est que je parlais, c'était seulement pour le SL. Ok, bah part tout seul. Ah bah à un moment donné je parle à mon SA, je parle pas à mes hommes. Donc vous allez marcher, on va faire en tiroir, en perroquet pardon. Donc vous deux vous allez partir devant et on va vous rejoindre et vous allez avancer. On va faire en binôme parce que vu les distances là c'est trop dangereux. Allez-y, go. T'es prêt nos kids? Ouais ouais. Allez go, c'est parti. Ok, on a rejoint sur vous. Ok, on y va au suivant. T'es prêt, nos kids? Firme. Ok, on y va. Ok,
ce pote, on est là, stand-by, 2 secondes, point carte. Ok à tous, bleu, vert, rouge, une fois que vous avez checké à l'intérieur du village, sachez que Bravo est en parallèle de vous, de l'autre côté à même hauteur. Vous resterez sur vos positions et je ramènerai les véhicules, ok? De vert bien pris, on continue de progresser. Sopod, c'est bon, tu peux y aller. Pareil, en binôme. Allez, nos kids, on y va. Je sais plus combien il rembourse. 15 000 euros. Ah, quand même. Ok, vous êtes sur les positions des trois petits points jaunes en 0,19, enfin 0,19. Ok, stand-by. Voilà, vous garderez ces positions-là. Dans le sens vecteur est, fusil levé au cas où. Moi j'arrive là les camions et le bétard vous couvrira. Ok, de vert bien pris. On va commencer à franchir la ville qui a de nord-sud, la route qui traverse vers le sud dans 2 secondes. Ok, de bleu, on va enquiller un petit peu sur vous, Rackboy, pour vous revoir en visu. Ok, on attend un peu vert. C4 pour Bud, as-tu checké le port? Faire à tous, on est arrivé sur le point le plus à l'est possible, le point jaune le plus à l'est possible pour vert. C'est bien pris à tous, la vie est safe. On va remonter avant des véhicules, ils sont sur la sortie est du village de Kamenka, on vous attend. Donc vous regrimpez avant des véhicules. Bah ben tu rejoins mon en azimut 60. Bleu bien pris, on arrive. C'est bon, Sobot, tu peux avancer en azimut 60. C'est 11h. Oui, 11h. Ah, je préfère, c'est plus rapide. Ok, on a recollé avec en effet. Derrière. Allez, embarquez, messieurs. Si vous souhaitez monter à l'avant avec moi. Même pas volontaire. Non mais n'hésitez pas. Encore une place. On a vu la lumière. Ah, apparemment il y a une terre. Ok, on quitte la route, on va serrer sur le bord de la colline en sécurité. Bien pris. En PLS, je te jure. Ok, stop, on s'arrête là. À quoi position latérale aussi? Ouais, le sol. Merci quand même. Allez, on débarque, nous. Ok, donc en gros, j'ai fait les ferias quand même. Allez, vers. En avance. En ligne. En ligne. Un à droite, deux à gauche. Un à droite, deux à gauche. Voilà. Alors, oh, qu'il est mignon le petit hélico. Ah, il tire en plus. Oh, il envoie la purée. Je sais pas sur quoi il tire. Non, c'est du tout. Il y avait du blindé. Je pense. Bah alors ça pas autant de requêtes. Ouais. C4 on y va? On y va. C'est parti, Rackboy, Bud, Enor et Blanc. On vous suit. Allez vas-y Sopot. Allez, deuxième. Vert, on est parti. Donc là on va se déplacer vers un nouveau point. Sous les feux, le feu nourri de l'hélicoptère. Les chars sont passés devant aussi. Quel BMP, je sais pas où est passé le T90. Voilà. Ouais. C'est parti monsieur, vous tapez la plage au plus allez, courant. Allez, on court, on court, on court. De la plage en sécurité. À fond, à fond. Rackboy, tu es en tête. Par rapport au départ de la plage de la dune, tu t'assures qu'on soit pas en visu de débarcadère. Et tu t'arrêteras à distance pour qu'on puisse taper les mecs s'il en reste. L'hélicoptère traite, mais je sais pas si vous pourrez tout taper. Rackboy bien pris, dès qu'on pointe le bout de notre casque visible du débarcadère, on s'arrête. Exactement, c'est bien pris.
Donc messieurs, on continue à avancer là, et dès qu'on a un tout petit visuel sur le débarcadère, on s'arrête, on se stabilise en ligne sur le plein est, c'est bien clair? Ah, n'hésitez pas à me faire des réponses. Enfin, moi je veux de la réponse. Oui, oui, oui. Ah, stop, stop, allez. On se met en ligne. Dragboy pour leader, on a un visuel, un tout petit visuel sur le débarcadère. Allez, mettez-vous en ligne, messieurs. C'est parfait, ça. Parfait, on voit le phare. On peut encore un petit peu avancer, si. Tu remets d'une reco légère, Rockboy, sont peut-être exposés ou pas. On peut avancer jusqu'aux arbres, là-bas. Affirme, on peut avancer, disons, de 50 mètres vers des arbres en pleine est. Ok, bleu, tu te mets en position de support. Pendant ce temps-là, l'équipe verte de Rockboy suit, une fois qu'on a traversé de rouge, traverseront, une fois là-bas, vous nous couvrez, on traversera avec bleu et blanc. C'est bien pris? Vert, bien pris, on se met en marche. Attends, bleu, tu te mets en position, et une fois que tu es en position, tu choisis Rockboy et Abud, ok? Ok, j'attends. Peu de visu quand même sur leur avancée. Okay, pour tous, on va avancer de 50 mètres. On a 80 vers les buissons qu'il y a. Alors plutôt 70-80. Sopod, tu vas ouvrir avec Alex et on va te suivre. Ok. On se met toujours en colonne histoire d'être le moins visible possible. Okay, accroupi pour tous et feu à volonté si on a besoin. Bien pris. Vert en marche. Bleu en beaucoup. Alors ça peut être une... Faut pas aller plutôt sur la gauche là parce qu'on est vraiment exposé. Ouais, voilà, ce pote, tu m'as entendu? Ouais, pris sur la gauche, ouais. Ouais, voilà, c'est 4, c'est qui l'équipe à gauche? Ah, c'est rouge, ok. Ouais, rouge, on avance. Vous êtes en sécurité, rouge et vert, c'est bon? Ouais, on a un tout petit visuel là. Ok, vous nous couvrez, on va traverser avec bleu et blanc. C'est parti, bleu, allez-y. Bleu, bien pris, on avance. Rouge, vous avancez un peu trop là, nous on n'a pas... On avance pas à ce point-là. On est à découvert. En plus, vous êtes à découvert. Ok, Sopot, tu peux avancer jusqu'à un petit arbre qui est à droite là, ouais, que tu vises. C'est parti. Allez, c'est parti. Ok, il y a l'hélico qui a remarqué deux tangos sur un échafaudage. L'écho nous informe de Tango en restant sur la ville. Le débarcadère semble traité, mais je vous encourage à le traiter comme hostile. La considérer comme hostile, pardon, donc méfiez-vous, on va avancer tranquillement et en sécurité. J'amène le BTR à notre hauteur. Ferme bien pris, en stand-by. BTR, tu peux avancer. Bon, je vais progresser. Caillou devant. Parfait, couverture en vue. On aurait une Escape 50 sur le débarcadère, donc on va devoir être très prudent, messieurs. Vert bien pris. On va essayer de pousser jusqu'en 031, 133. C'est l'espèce de petit rebond sur la plage, une petite dune. On aura de quoi s'amener jusqu'à là en sécurité. Actuellement, nous sommes 027. Il nous reste donc à parcourir approximativement 500 mètres. Ça stop, ça stop. Vert, on te laisse aller jusqu'au phare en cours. Ok, attends, j'ai stoppé ce pote. Ok, Vert va avancer en direction du phare. Bleu, on prend votre place que vous avez là dès que vous avancez. Ok, c'est parti. Allez, on avance Vert, on avance toujours en frontal, en ligne, là, comme ça. C'est bien pris. Par rapport au phare, tirer, hein. Ça sera environ 200 mètres derrière le phare. On s'arrêtera en fin de recours, il y aura une petite dune accessible pour cela. Faites des rotations, donc bleu, tu couvres toujours les déplacements d'assaut de vert et de rouge, ainsi de suite. Bien pris. Ok, stand-by là sur les bateaux et les buissons. C'est bien pris? Bien pris. On est arrêté.
Ok, allez, on avance. Bon, s'il n'y a pas de danger, on avance. IRS dedans. Parfait. Allez, on poursuit jusqu'au buisson suivant. Donc, Kid, assurez bien ce qui pourrait être sur ta gauche, hein. Surtout. Affirme. Ok, on continue à avancer. De vert pour leader, on va continuer à avancer jusqu'au petit jusqu'à la plage quoi en fait. Attends qu'on soit derrière toi. Ah, là on a découvert là, allez on avance. Ouais, regroupez-vous au niveau du phare, ce sera parfait. On a allez, on est obligé d'avancer. Bleu, tu peux y aller, on te couvre pour blanc. C'est parti, bien pris. Là prenez appui sur les arbres. Okay. Les buissons. Ok, vert a trop avancé pour le. On peut pas retourner en arrière donc on se stoppe ici. Pas de soucis. Ouais, vous verrez après le phare 220 une espèce de dune assez prominente. On s'en servira pour avoir une position de tir sur le débarcadère. Affirmatif, plusieurs rochers sur la zone désignée, donc on retourne là-bas. Exactement. Affirme, dès ton go, on y va sur le point jaune. Écoutez, mettez-vous en position, Bud et Ragboy si vous sentez, nous au niveau du phare avec bleu, on arrive. 200 derrière vous. Ok, bien pris. À tout vert, on avance vers le bout de la plage, là, en azimut 120 à peu près. Allez, c'est parti. C'est parti. Et on pourra progresser, d'accord ? Excellent. Pour l'instant, on va rester stand-by, tranquille d'avoir rocher, on va avancer une fois qu'elle sera traitée. Bah pour une fois qu'ils peuvent utiliser... Ensuite, je reviens vers. Deux verres bien pris. Break-by. Oui. De la colline en 1320, il y a un conteneur et apparemment il y a un char, je sais pas ce que c'est là à droite. Ouais, c'est un char à nous ça. Un char à nous, okay. Ouais, c'est un T90 qui est en hauteur. Oh, il nettoie le salaud. Messieurs, vous pouvez avancer un tout petit peu si vous sentez par rapport au BMP3. Attends, je regarde. En restant un couvert au maximum, chez nous, sur le plage, il n'y a pas grand chose. Donc, à convenance pour les TL, hein, si vous risquez, il n'y a pas de problème, mais restez vraiment discret. Ok, bien pris, je vais regarder ce qui s'offre à nous, si c'est possible. Il paraît qu'il est super fort. Ça roule, pour info, bravo, il est même hauteur que nous, il commence à taper avec le tank en haut à la ville. Vous sentez d'avancer là ? On est bon dans le timing, ok ? On se précipite pas, c'est parfait. Ok, messieurs, on va avancer devant nous là à midi pile. Ouais, à peu près à 10 minutes 60. Vraiment, ne vous montrez pas, profitez des buissons pour avancer. C'est bien pris, cette fois-ci on repasse en colonne, hein, histoire d'avancer le moins visible. Bien pris. Okay. Allez, c'est parti, ça pote. C'est parti, Alex. Allô, Nico. Et nos kids, toujours derrière. Je suis, ouais, c'est bon. Faire en progression le plus discret possible. Ouais, donc il passe pas par là où je serais passé. C'est bien pris, vers vous poursuivez de rouge et de jaune. Et quel toit sur la gauche, nos kids. Bleu, bien pris. Bien pris. Là. Plus sur la gauche. Bah oui, c'est là que t'étais à découvert. Tu vas passer à la gauche de Ragboy dès que tu pourras, Bud, et vous mettez tous les deux sur la même hauteur en parallèle, formez deux cônes d'assaut. Et au centre, au milieu, on aura bleu. C'est parti. Ok, no kid avec bleu. Bien pris, c'est ce qui était prévu. Le BMP a un petit point de moton dans la flotte, il va revenir sur la plage et nous apporter du soutien à terre ferme. On continue toujours sur la gauche ou un peu plus non, vert stabilisé, stand-by ici. Restez à couvert. Ok, je vois des cadavres. Ok, je recule. Donc, quitte, planque-toi, hein, sois pas visible. De vert pour leader, on est à peu près à 100 mètres à l'ouest de débarcadère. On n'a pas de visuel sur des tangos pour l'instant. Donc on attend si tu veux avancer. Attends. Parfait, restons avec Eki à couvert. Le bêta galère un petit peu, mais il va arriver. Mon fils regarde, ninja warrior. Et nous fie un coup de main. Dès qu'il warrior ninja, pour l'instant, on va rester couché au sol, bougez pas. Ok, bien pris.
Bien pris, pour vert à tous, on reste planqué, vraiment planqué. On attend que le BTR fasse le ménage. Bâti pour Enor. Ok, bah moi je me mouille pas. Oui, Enor. Ouais, de là où t'es, est-ce que t'as visu sur le débarcadère ou pas du tout? Sur la flèche couleur rouge. Enor, je te laisse prendre le bâtiment qui sera le bâtiment couleur bleue. Ok. Et une fois que vous avez ça, vous sécurisez le périmètre. Donc bien sûr, Ragboy, ta flèche va dans ce sens-là. Ok. Et rouge, tu vas sécuriser ce côté-là. Donc bien sûr, tu traverseras quand Enor aura pris sur le bâtiment en hauteur, ou du moins dans le bâtiment pour couvrir ton trace de route en sécurité, d'accord? Affirmatif, mais je confirme bâtiment en sale état. Eh bah écoute, on prend comme position dessus, du moins comme on pourra. Allez messieurs, action, c'est parti. Ok, de vert bien pris. Bleu bien pris. Vert, ouais, on va progresser en colonne là, et on va avancer de point en point. Ok, ce pote. Ok, ça marche. Allez, vas-y, ce pote. Prends bien des couverts, hein. Je veux que tu ailles faire derrière chaque buisson. Comme si t'allais faire caca, là. Pas là, t'as des couverts, là. C'est à gauche qu'il faut aller. Les gars, ils sont déjà partis à fond, les gars. Que je me protège de la ville, moi. Ouais, mais la ville, il y a déjà Bravo, là, qui sont très exposés, donc ce sera eux qui sont en premier. T'as vu comment ils expriment ? Oui, c'est ce que je dis. Donc, vas-y, redresse-toi, et à l'assaut, là. Allez, top assaut, full auto pour tous. Ouais, complètement découvert là par contre, c'est pas bon. À gauche, allez on fonce à gauche. Pas vers la plage. Plutôt la droite. Bon. Qu'il en fait qu'à sa tête. Ok messieurs, le plan ne change pas. Vous rentrez, prenez appui sur le bâtiment, complètement pété. Énorme, tu te fous dedans, tu sécurises la position et vous suivez vos flèches pour rouge et pour bleu. Pour vert. Bien pris, on arrive au mur où est déjà rouge. Bleu, on est juste derrière vous, on rentrera dans le bâtiment dès qu'on peut. Ok, en position. Ouais, bon, on va faire passer devant, ou alors attends. Ok, bleu, en position de combat, moi je passe pas devant. Bleu, on est là, on va avancer sur le bâtiment dans 2 secondes, laisse mes hommes se reposer. On va passer par derrière les gars pour bleu. Ok, on va suivre. Ça marche. Allez, on avance vers. C'est bon, j'ai repris. Ok, vous escondez messieurs, hein. Vous passez en même temps le mur de préférence. Allez, on go, on y va. Ok, on va. Attends, hop. C'est passé le mur. Oh chouette, il y a des choses qui volent. Je vise les bon, messieurs, je vais insister, mais vous soyez méthodique, lent mais prudent. Et très bonne équipe. Ah, on vise les citernes. On continue le long. Oui, vise tes citernes. Allez Alex, vas-y, on te couvre. De la hauteur en plus. Faut qu'on prenne un peu de hauteur. Ils prennent des tirs. Vous pouvez traiter ce qui vous engage ou pas? OTS, RS. Y'a un type à l'étage des bunkers dans les pipelines. J'ai pas de visu. Touché, il est traité. Ok, on vous rejoint. Allez, c'est bon, on avance Alex. Le bleu, on est en position dans le bâtiment. Ok, bleu, tu vas pouvoir couvrir les pipelines pour rouge, et rouge va aller sur les pipelines en chassant. Vert, tu poursuis sur les docks dès que tu peux, flèche verte. Vert bien pris, on y va là. Allez vas-y ce pote, okay, on traverse, on te couvre, allez vas-y, fonce. No kid avec moi là, t'es là? Ouais. Et je continue. Allez on avance, on te rejoint, attends. Recharge. Ok, allez. Prêt. Go. Ok. Ok, on est avec toi. Vert, nettoie les containers. Ok, arrivé au bout. C'est bon, rien vu. Ok, on avance, vas-y. Attends. C'est possible, j'aimerais bien rouge.
pas un bleu plutôt? Non, SRS. Ok, allez, vas-y, avance encore. On voit nos hommes là-bas. Avance, ce pote. Ok à tous, position débarcadère tenue. Pour rouge, bah, tu... confirmé. T'es pas avec moi là, hein? Si, je suis en parallèle de toi. Ah d'accord. Répète tes messages. Tu tiens ta position dans le débarcadère, en rouge. Tu vas sécuriser ta place. Affirmatif, flanc SRS. Allez, vas-y, avance. Ok, parfait. Vous poussez jusqu'au mur, l'enceinte du dock, côté nord. Donc je vous mets des croix, hein, enfin des petits points. Voilà, vous êtes jusqu'au petit point violet et vous sécurisez la porte du débarcadère. Une fois que c'est bon pour vert et rouge, chaque okay, côté. À la porte. Ok. Ok, vert est déjà à la porte là. Très bien, je vais ramener le BTR dès que possible. Ok, c'est sécurisé. Viens Nokid avec moi s'il te plaît. Affirme. Ok, c'est clean. Je rentre. C'est clean. Je ressors. C'est à qui ses pieds là-bas là? Aucun visu. Si si, il y a des pieds en ouais, 300. Rouge en position. Passe devant vous. Alors. C'est qui C4? C4, regarde là. Ouais. On voit des pieds là en 280. 280 des pieds. Oui, affirme, je les ai. De l'alpha, bien reçu. Ouais. C'est qui ça? Je vais te dire. On a peut-être des snipers qui ont besoin de soins. Affirmatif, on les a eu sur la ville. On n'a pas des importants comme ça. Non, non, bah écoute. Viens, viens avec moi, Nokid. Ouais. On contourne. On est passé tout près, dos à ça. Agboy à ce pote, reste en position pour l'instant où tu es. Ouais, ouais, on s'est écarté un petit peu du BMP. Ok, c'était bien ennemi, je confirme. Ouais, c'est bon. Parfait, Agboy, bien joué. Du coup, vous me sécurisez les ouvertures, on va se retrancher dans ces bâtiments. Donc, Ragboy, tu vas prendre le côté nord-ouest. Bud, tu prends le côté nord-est. Et je te charge des six pour Enor en bleu. On va avoir les Marksman qui vont venir nous voir. Ils ont des mecs blessés, pas de médic. Donc, on tient la position. Ils viennent jusqu'à nous, on les patch et on pourra avancer, d'accord? Sopote, Alex. Viens bien pris, prends position. Ok, bah ouais, vu que plus. Vous avez pas vu le mec que vous avez ouais, qui était juste derrière vous, vous allez couvrir ce côté-là. Allez avec moi, s'il vous plaît. Ok, j'ai demandé. C'est-à-dire derrière nous? Bah regarde, je vais te montrer. Là, tu vois ici? Il y avait un mec debout là. Ah ouais, boss. Allez, vous sécurisez ces deux points-là. Ouais, je dis pas le contraire. Allez, vous sécurisez ces deux, ce point-là ici. J'ai un gars blessé. Et nous, on va sécuriser le nord. Nokid avec moi sur l'ouverture au nord. Bien pris. Un contact nord-est de position. Bien pris. Lourd le blessé ou pas? Ok, Rick, ouais, je suis là. Ok, bah mets-toi de l'autre côté hein, du mur. Voilà, parfait. Feu croisé. Ça devrait aller. Bien pris. Oh merde, je suis blindé. Parfait BMP, je brief les mecs, on arrive dans le second. Ok, tout le monde entend, c'est bon? Ouais, affirme, affirme. Ok, voilà le plan. Bravo est toujours sur la ville comme nous, de Komarovo, on va avancer. Eux vont passer par le haut de la route, par les kékés, par les champs. Nous on va passer par la plage. La plage est traître, alors surtout vous ne grimpez pas sur le haut de la dune. Vous allez vraiment rester sur la plage, le sable. J'ai vérifié, hein. Le débarcadère est vide. Les seules menaces restantes potentielles sont ce bunker en 043 129 et dans la ville des mecs de manière sporadique ici et là que l'hélicoptère ne peut pas infirmer ou confirmer. Donc on part du principe que la ville est hostile, que le bunker est hostile malgré qu'il s'est tiré dessus aux roquettes, et le débarcadère est hostile. Bon, je vous assure pour avoir checké à longue minute qu'il n'y a rien dessus, du moins deux visibles. Donc ça on est dans les bâtiments, on ira checker à l'approche, et comme ça on pourra traverser. Donc on reste bien sur la plage, on suit le BTR, on restera derrière lui pour le coup, c'est notre bouclier, on avance, et arrivé sur le point alpha,
on tape ce bâtiment, enfin le débarcadère. Donc je veux que je mette les flèches maintenant. Alors, tac tac tac. Ouais, cette fois-ci on a eu toutes les informations. Tu vas sur le front droit, bah donc gauche alors. C'est 4, tu pourras dire au BTR qu'on roule, on marche pas à 40 km/h. Tu roules déjà, Ratboy ? Bah, il est déjà à fond, là, il est déjà à 200 mètres devant nous. Là. Ça rappelle la fin de la chute du Faucon Noir, ça. Ouais. Il ralentit, ça. Voilà, vaut mieux qu'il s'arrête, hein, parce que je rattraperai pas. Hein. Ouais. Allez, en ligne, messieurs, là. Alex. J'adore gambader dans l'eau. Bravo et allez, Sopote, reprend ta place. Le vieux. Ouais, t'as vu le vieux ? Alex, pareil. Nos kits, tu redescends sur la... Redescends. Redescends. Voilà. Allez, on me fait une belle colonne là pour vert. Décalez-vous un peu sur la gauche. Sable sec, non mouillé. Laissez-le pour rouge car les chaussures bien lourdes. On adore ça. Alex, rallie-toi s'il te plaît. Ok, mais si on arrive au niveau du BMP, il repart. On vient à peine de le rejoindre. C'est toute l'histoire de ma vie, ça. Ça viendra après. Ah, mais mec, il fait la chasse aux coquillages avec ses ranchers, quoi. Quoique, ça soit pas des ranchers, Sirius. Si, il va nous servir après pour la progression. Merde, je veux bouger. Il a intérêt de couvrir nos fesses qu'on va sortir du dévers parce que je le dynamite. Je vais couper la musique, il y a un petit bug avec. Ok messieurs, le BTR a beaucoup fait avoir un bon visu sur le débarcadère, donc on suit le plan, lui reste là et nous on avance. Et vous paniquez pas, c'est Ico qui les tire avec ses missiles. J'ai l'impression de faire de la musique d'après les enfants. Alors à gauche, vous avez la mer. Ah, c'est droite. Droite, droite, ouais. C'est dans l'autre sens pour ceux qui observent. Ah, on s'en fout. Tu dois parler pour le plus grand c'est nombre. C'est votre chef ça. Hein. Ah ouais. Un peu de respect s'il vous plaît. Allez, le dernier vas-y, rouge, vas-y, vas-y, on te couvre. On est vert. A tout à l'heure. A toutes. On bascule sur le plan droit. Allez, on va avancer. On longe. On longe. Désolé, je on avance, on avance. On se met là, on se met là. Ok. Ok, tu alors. Vois la baraque à ta gauche. Bâtiment ouais. RS. Eh ben, on va falloir y aller. En position sur flanc S. Attends, à mon go. On y va deux par deux ou... Oui, deux par deux, mais attends. Ok, Alex. C4. Ouais. Alors pour C4, on est prêt à partir du débarcadère en direction de la petite maison où Bleu fera son stand-by. Deux rouges, on peut pas passer par le flanc du bâtiment, c'est fermé. D'accord, vous nous donnez juste une minute, le BTR se met à votre hauteur et il va vous aider à passer, ok? Le BTR va se placer sur le point rouge, le point drapeau violet. Ok, bien pris, on attend okay. Que le BTR soit en place. Sopote Alex, vous surveillez tout ce qu'il y a en pleine, en azimut, en nord-est. Ok, vous me surveillez ça et vous, on s'occupe du reste. Il va nous écraser les pieds le BTR. Là la princesse. Allez, on serre les fesses. Attention, boîte de conserve, serrez le mur. Allez, bougez pas, bien sûr, se met en place au BTR et on pourra avancer. On vous met le logo et puis... Ok, BTR en place, on peut avancer donc les équipes sur le point drapeau 2, la maison, bleu tu y resteras, les équipes vertes et rouges, vous suivez vos flèches. Allez vert, go. Ok. Le bien pris en enquille. Rouge, vert, on est parti. Sur la droite, on s'est tiré dessus. Allez, on
On va direct sur la maison. Ok, j'avance les BTR. On va traverser la ligne de chemin de fer, on est sur la droite de la maison. Prêtez, ouvre les 6. Ok, on est en position, messieurs, vous restez Alex, au-dessus de lui, ouvre le reste. Pas, j'amène le BTR en support. Il a son point 2 pour vous soutenir. On peut rentrer là-dedans, on peut pas rentrer jusqu'au prochain coin. Ok, vert a un visuel sur des bunkers de part et d'autre. Oh putain, j'en ai pris une. De part et d'autre de la ligne de chemin de fer. Ok, j'en ai pris une. Oh putain, on a perdu. Tu confirmes? On a perdu flash aussi. Ouais, ouais, faut qu'on bouge. Bougez de l'autre côté là, de la fenêtre. Reste à couvert. De l'autre côté, avance, avancez, avancez, avancez. Allez, de l'autre côté. C'est trop chaud, vous retournez sur le port, hein, les équipes. Non, mais flash le blessé. Il fait son boulot là. Allez, on sait, ne bouge pas, essayez de te mettre un tout petit peu plus. Côté ok, donc je confirme qu'il y a des tangos encore dans les bunkers qu'il y a de part et d'autre de la ligne de chemin de fer. Bon, faut que je me soigne moi. Fais attention, t'es en pleine. Ok, j'en parle au BTR. Ouais, voilà. Le mieux c'est d'aller au cul, derrière le cul du BTR là, et rejoindre rouge. Ok, le BTR est au courant des bunkers, il va s'en charger, donc reste à couvert, c'est pour lui. Oh le con, oh le con. C'est cadeau. Ok, c'est bon, je suis stabilisé. Ah merde, je peux plus avancer. Je t'ai besoin d'un coup de main, non, c'est bon. Bah, je peux plus avancer. Ouais, j'avance pas. Il faut. Flash, ça va. Ok, support, ouais, Alex. Ça vole pas. Hein. J'avais dit que je le sentais mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, okay. Est-ce que quelqu'un m'entend? Derrière le véhicule, le revient vers nous. Donc il a. C'est de qui il a tiré? Ok, de rouge et bleu, on. Pardon, de vert et bleu, on a pris le backlash du BMP, il me semble, on s'est fait détruire. Je répète, détruire sur la maison sur laquelle de bleu devait se caler. Oh. Confirme, le backlash vous a chopé. Hein. Il me semble, il faut absolument que le BMP se décale par rapport à nous. De qui Dark Boy, tu m'assois? Ouais, je confirme, faut que le BTR bouge là, parce que, ou alors que nous on bouge parce qu'on se fait on est complètement... Ok, il y a eu des pertes là ou pas dans l'opération? Oui, non, pas okay, encore de pertes, beaucoup de blessés. Non, ok, vous revenez tous sur le BTR, on va vous patcher. Alex, qui est vert pour toi? Ok, on vise la maison. Allez, revenez smoker, revenez sur le port, on vous patcher, le médical là pour ça. Ok, je me stabilise. Je lance une smoke. Vert pour ceux qui sont coupés, qui peuvent courir, qui foncent, qui retournent là-bas, hein, qui retournent là-bas. Allez, j'envoie une smoke verte, vous revenez. On s'en fout sur les dogs, tu confirmes. Je confirme, vous avez blessé, vous revenez. Caracol, t'es le seul qui est encore là? Allez, c'est cher, ça y est, on se fera des bunkers, on avancera. Allez, prenez pas de risque, il reste plein de vie à faire, on n'est pas pressé. On prend pas de risque, on revient. Allez, ok, on a avancé de 50 mètres sur la maison avec les bois verts, bois bleu, pardon. Là-bas, de ton équipe. Ok, ça tombe bien, j'ai eu le temps de me mettre un garrot sur la jambe. Rack, parfait, bleu, on s'apprête à bouger. Négatif, je suis en train de me faire porter là. Vas-y, on va se faire. Ok, donc on reste là où on est et on a avancé, on est au niveau du bois bleu. Allez, bleu, on avance sur le dock. C'est parti. Ok, bah écoutez, restez où vous êtes alors, mais pour l'instant je me fais emmener vers le médic. Ok, tu le retournes sur Doc avec Medic. Enfin, pour Medic. Rouge, t'es blessé ou pas? Vert, pouvez-vous me préciser où est-ce que vous êtes? Rouge, je parle loin. Ah, ok, donc tu tiens ton secteur. Je t'ai dit la maison où là on était en face. C'est absolument pas clair, alors donne-moi une coordonnée ou quelque chose qui est descriptif. Ok, mets-le derrière. Tiens, Bob, là le paquet. Okay. La première maison en face, à gauche, voilà. Ouais. Et vous trouvez des positions de tir et les blessés vous appelez au niveau de la flèche verte sur la route. C'est un obus, non? Ok, merci, c'est plus clair. Ok, restez là, vous êtes tous les trois, vous êtes blessés ou pas? Ragboy de Nokia, j'ai pris l'initiative de revenir en arrière tout seul parce que j'étais blessé. Alors, et non, tu fais des peurs? Ouais, bah fonce, reviens là où on avait sur le débarcadère, il y a le médecin qui me traite. Alex, je suis derrière toi. Alex et Sopot, tenez la position, vous exposez surtout pas. Attends, j'en ai pas de perte, j'ai juste nos kits avec moi. Ouais, rien, on est derrière la maison, okay. Sauf qu'on n'est pas en visuel du bunker. On va rester là, laissez le bunker traiter au BMP, hein. Laissez-le, vous vous occupez que des les fantassins qu'il pourrait y avoir dans la ville. Est-ce que vous êtes blessé? Négatif.
Ok, restez où vous êtes, je vais vous rejoindre bientôt. Négatif. C4, t'es là. Ouais. Tu vises, est-ce que tu trembles? Ouais, tu t'es stabilisé, t'as les tours dire la ligne de bunker. Non mais par contre quelqu'un a modifié mon viseur, c'est impressionnant. Non, je tremble pas. T'hésites pas, okay. J'ai mal mais ça va. Ouais, bah, ouais, je vais te régler ça là. Side, ça va toi? Ouais, mais j'ai une blessure qui arrête pas de s'ouvrir. Ok, donc tous sont traités sur toi. Bandage. 90%. Ok, il y a le BMP qui prend des tirs apparemment. Et allô. Il peut se calmer le BTR. Ouais, le BTR s'est fait engager là, pardon. Et il rentre dans un mur. L'hélicoptère au-dessus de nous s'est fait engager, ça venait de l'est. Ok, nos kits, t'es bon ou pas? Je t'attends pas. Je suis stabilisé, je t'attends. Eh bah c'est parti. BTR, on aurait du monde allié sur le secteur nord-ouest de la ville. De BTR, donc ce sont des tirs. Ok. Prêt? Tiens. Allez, c'est parti. Donc alors on fait quoi? On continue sur la ville nous ou on laisse le BTR ou on prend les bunkers pour voir s'il avait fait son boulot? Alors comme je te l'ai dit, pour l'instant tu stand-by, on va te rejoindre. Ok, okay, non mais c'est à titre informatif. Opérationnel ou pas? Négatif, C4, ETA, 2030, ouais. Ça marche. Dans 2 minutes, on reprend ses positions, donc vous avancez. Les bunkers sont traités, donc bleu sur la position bleue, vert la flèche verte, rouge la flèche rouge. C'est bien pris? C'est sérieux. A fortiori, oui. Vert, c'est bien pris, sauf que mon unité s'est divisée en deux, il y en a une qui est au niveau de la flèche verte que je suis en train de rejoindre. Tu la regroupes? Bien pris, on s'y rend, on est juste à côté. Ok, n'avance pas trop Ragboy, les équipes potes sont pas encore parties. Hein. Rouge, tu peux partir maintenant, c'est ta flèche rouge, bleu, on kid. Ok, comme un seul homme. Allez go, Ragboy, tu temporises, et Inor, dès que t'es en position, tu le dis aux équipes. Ok, on y va. Parti. Ok, okay, on temporise ici. Ok, vert est au niveau de sa flèche verte. C'est bien pris, vert. Rouge, dès que tu as la flèche rouge, tu nous le dis à la radio, et pareil pour bleu. Bleu bien pris. Ok, je passe derrière toi, ce pote. Ah, t'as pas de visuel. Moi, c'est rouge en mouvement. Oh, t'inquiète pas, ça fait un moment qu'on l'observe, ce petit machin. Normalement, on sera protégé, on n'aura pas les petits bunkers. Et ça, c'est l'arme fixe qu'a nettoyé le BMP. Tout à fait, ouais. Un canon anti-char. Ouais, sauf que j'avais tué déjà le tireur avant. C'est bien amusé quand même. C'est bon pour les équipes, c'est sur vos positions? Négatif, rouge toujours en mouvement. On prend la... D'accord, ok, vous patientez tant que les équipes sont pas sur la position, vous ne progressez pas. Faut vraiment que vous progressiez en simultané sur chaque flèche. Sauf bien sûr bleu qui sera en position pour vous couvrir, ok? Bleu bien pris en position. Très bien. J'informe le BMP qui passe en coaxial pour vous soutenir. Vert bien pris, en position, prêt au départ. Confirmez, vous êtes sur vos flèches, les positions. Négatif, vert avancé jusqu'au croisement de Balota. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bunker pour vert? Confirmez, de leader, si la voie te semble safe, hein, tu peux avancer. Allez, vas-y, sopote, en direction du bunker, s'il te plaît. Donc, pareil pour rouge, hein, si tu es safe, tu peux avancer. Je veux dire de quel bunker? Ensuite, on essaye de progresser vers la route principale. En plein ouest. Très bien. Ouais, et pour bleu, pareil, tu peux prendre le point bunker, si les bunkers sont safe, prends les points bunker pour couvrir toujours la progression en avançant de rouge et de vert, c'est bien pris? Bleu bien pris, on va s'avancer sur le bunker par la route. Pourquoi tu sors pas là? Je veux dire par le sud du bunker. Ok. Attention, restez derrière moi. On va se décaler nos kids. Grenade. À terre. Allez. J'ai oublié de me baisser moi.
Ok. Okay. Appuie sur le grand bunker là au fond. Ok, nickel. On le nettoie ou c'est bleu alors? Je vais voir si c'est bleu. Non, il y a des hommes qui y vont, laisse-le. J'ai une blessure. C'est bleu. C'est bleu. Ok, bon, okay de faire pour leader, on a dégagé le. On est arrivé au premier petit bunker, il est vide. Je crois que bleu se charge du gros bunker pour l'instant. C'est bien pris. Vous continuez la même progression, c'est parfait. On se presse pas, on fait ça prudemment. Continuer, c'est parfait. Pour Bud, tiens-moi au courant, de ton test, c'est bon. Ah, nous, on a terminé sur le bunker, tu veux qu'on fasse quoi maintenant? Pas nous. Ok, bleu à rouge, faites attention, on est juste à votre sud. Bleu à vert, pardon. Oui, oui, on vous a en visuel depuis tout à l'heure, on le sait, vous inquiétez pas. On attend juste maintenant, si on reste dans ces bunkers, si on a la chance. Ok, messieurs, voilà la situation. Bravo est embêté, ils sont sur l'aéroport qui est tenu par Bravo. Par contre, le nord de Balota n'est pas du tout tenu. Donc, vous allez pour vert... allez sur la flèche verte que je marque maintenant, la seconde flèche verte, appelez 2. Ok. Pareil pour rouge, vous allez prendre la flèche rouge et vous arrêtez ici, la flèche rouge numéro 2. Bon, on y va. Pour l'équipe bleue, tu resteras ici entre les deux. Je mets une flèche bleue. Pareil, appelez 2. Vous allez rester là en sécurité. On va attendre que Bravo puisse récupérer un peu de ses forces et traite le haut de la ville, d'accord? Donc on fera rempart. Ok, c'est bien pris pour vert. Cependant, on était déjà au niveau de la flèche numéro 2 et on avait visuel sur des équipes de Bravo justement qui étaient de l'autre côté de la rue. Donc on va se repositionner là où tu nous mets, mais on peut progresser plus hein, si tu le souhaites. Bah écoute, Bravo sans avoir des difficultés, sont mis à la radio, mais après si tu les vois et qu'ils sont dans la ville sans ennemis, y a pas de problème. Vous pouvez un petit peu dépasser. Bureau, j'en ai déjà en position. Ok, allez vas-y Sopote. On y va. C'est parti, allez debout. Ok messieurs, bon apparemment Bravo ne va pas assez vite, donc il me demande de se charger du nord de la ville. Donc je refais des pointillés. On va devoir checker. Je remets des... Ok, on avance jusqu'au okay. coin de la rue où on était. Ok. Et après je me soigne. Voilà, il nous reste ces points-là à checker, donc on voit le carré à faire à nouveau. Donc vous avez progressé, donc la progression va être linéaire. Donc on va rester sur la logique du flanc vert sur la gauche, du flanc rouge à droite. Et bien sûr, bleu, tu resteras en retrait d'environ 50 mètres à checker à la fois droite et gauche avec tes 4 tireurs, d'accord? Pour soutenir les deux équipes. Ça marche? Rouge à droite, bleu. Merci. Ok, Bravo sera informé. Vert, c'est bien pris. J'attends que mon bonhomme soit soigné et on part. Et prêt. Prêt? Eh ben allez, vas-y, tu traverses la route. Nous, on est en support. Le rouge, on va traverser l'axe principal de la ville. Village, on progresse. Je traverse. Attention, le commandant est là-bas. Allez, on y va. Ok, prêt. Ok, alors Sopote, on n'est pas au bon endroit. Donc on va à gauche, là, à gauche, ouais, par ici. Je peux pas me soigner, regarder la carte en même temps. Et je passe devant... Vas-y, passe devant. Ok les équipes, le BT avance au carrefour pour vous soutenir. Ok, bien pris. Sur Norg de Staline. Hélicoptère. Et le BMP. Le rouge, on se colle à l'aise vers l'autre car. Parfait, je vois que vert c'est bon. Bleu, tu me dirais qu'on c'est bon pour toi aussi. Bleu, on est au niveau du croisement sur le canon anti-char, prêt à partir. Hop, il ne manque plus qu'Alex. Okay, très légèrement blessé. Ok, à tout, j'envoie le buteur en avant, il va neutraliser les quelques menaces, prenez pas de risque. Parfait.
Ah bah y'a un bus, on a qu'à prendre le bus. T'as des tickets ? Ah oui, non, mais non, j'ai pas de ticket. Ah bah voilà. Y'a des mecs là-bas, là. Ah, c'est pas fait sur rouge. Ils ont l'air statiques. Ouais, je sais pas. Tu le vois d'ici ? On va laisser le bénéfice du doute. Oui, je vois un mec. Bah, je voyais un mec. Attends. Ah, je le vois plus. Bon, tant pis, j'ai fait un petit shoot sur un tir à distance, mais je suis pas sûr de l'avoir touché. Ah, on vient de m'informer qu'il y aurait une frappe qui serait faite sur l'est de la ville ici. Alors, on va essayer de la filmer. Puis peut-être Jean-Pierre Fleury, bolchevique. Non, bolchevique. Russe. Ne vous vexez pas. Pour l'instant, faut demander à l'hélico. Tu me dis quand tu veux. Alors, nos véhicules sont. Ah, non. Avec ton magnifique 4x4 qui a été ramené. Hein. Ouais. Excuse-moi, tu disais. Pour le prochain objectif sur Tcherno, ici là, de l'eau je te ping, tu peux monter tout à l'étage, là c'est nickel, c'est tout le temps. Ah bah ouais, j'ai beaucoup, on va respecter là. Ça va super bien ça. Mon commun mousse. De Alpha sur le côté prioritaire. Quoi demande de frappe préventive sur la route vers l'est. Commun mousse quand même. Il y a possibilité d'avoir une canon qui t'y charge. Tu vis le secteur 049-130. Merci, monsieur Adamska. C4, tu as tes véhicules, donc vous pouvez y aller assez rapidement. Parfait, il se fait tard. On a appelé Dakadak qui fasse de Alpha, qui fait un tour de la ville. Oui, je peux bien vous taper, juste que j'aurais un peu plus rapidement, mais ça après, si vous êtes sur le terrain, vous pouvez. On a la confirmation, les canons sont destroy et les gens aussi. Ok messieurs, vous embarquez dans le véhicule Ragboy, tu prends le camion, je prends la Jeep comme au départ. Tout le monde à bord. Bien pris, allez c'est parti. Allez viens vous montez, vous me prévenez quand vous êtes monté. On est reparti pour le d'abord. De qui d'abord? En plus tu rajoutes un petit cri chez toi. Le c'est bon, tout le monde est dedans. Hop, flash à bord. Oh non, je suis tombé. T'es fou négatif. Sopote, t'es dedans? Ouais, oui, j'ai dit à bord, c'est le premier. T'es bug, j'ai fait des crashs, ça aide pas encore. Non, c'est que je bois trop de coups là, c'est putain d'alcoolique. Mon troisième verre, c'est trop. Et je suis devant là. Eh ouais, mais ça, tu peux avoir. Comme ça, tu vas courir plus vite. Ça aide, c'est bon. Mais ça, tu peux, ouais. En route, Ragboy. Le pro au départ. Bien, allez en voiture Simon, c'est parti. On y va. C'est le Ragboy qui pilote. Mais c'était culotte, c'est moi qui pilote. Bétail à l'arrière. On est bien ce bétail là. Bravo la couche d'ozone. Confirmation à l'arrière. Très bien.
est derrière. Ça rame à mort, je te la laisse un coup partout. Elle broute un peu en troisième. Okay, sortez. On descend, non? On sort. Allez, on bouge, on traité dans le bunker, c'est traité dans le bunker. On lance roquette. Ok, allez, on va voir ce qui... Putain, j'ai l'impression qu'il y en a des vivants. Ouais, on fonce. Il y a un survivant bon, sur la droite, on a plus cher, la Jeep a explosé. Putain, heureusement, on est pas... Allez, recule. Qu'est-ce qu'il y a dit, boîte? Qui c'est qui est encore vivant? Tout le monde? Okay. Putain, moi j'ai rien. Medic, ça va? Toujours avec les conducteurs. C4, je te check ça. Ouais, on redescend à la plage. On va à la plage. Ouais, de verre, on fait quoi? On progresse vers le bunker ou pas? Non, négatif. On a une perte à couvert, il y a énormément de balles. Je veux que l'équipe vert et rouge vous grimpez sur la position drapeau maison en face de nous là. Vous allez ensuite partir sur ces bâtiments que je vais appeler 1 et 2. Ok, de verre bien pris, on passe par la plage. Allez, vert. Ouais, vert par la plage, okay, on suit. Bleu, tu restes avec nous, mais que tu me patches. Ok, rouge, vous êtes fait un très bien. Allez, ce pote, vas-y, Alex. Vous êtes tous de leader, j'ai besoin d'un médic aussi. Nous sommes près de la carcasse de l'UAS, hein, qui a pété sur je ne sais pas quoi. Non mais là, t'es collé bien comme pris, un légume à eux, là. Okay, prendre de la distance, hein. Reste pas collé à eux. C'est eux qui collent. Eh bah, tu te décolles. Allez, on monte. Accroupi. Voilà. Ok, on est là. Sabote. C'est bon, Sabote? Ouais, non, j'attends. Ok. Sur le côté gauche. Je peux pas regarder et mettre et être devant, hein, au niveau de la carte. Ah, je te demande pas de regarder la carte. Vert, on est au niveau du poudre drapeau 1. Contrôle. Maison clean. Ok, rouge, t'es là ou pas? Spectraf, vous allez sur 2, hein. Ok, ça marche, je suis sur 1. Attention. Ok, ce pote, on va aller voir la caravane qui est là-bas, en plein sud, sud-ouest. Ah, là-bas ? Allez, vas-y, let's go. Ok, ça c'est bon ça. Ok, on va progresser par la gauche. Le pour C4, on va sur la maison 1. Vas-y, quand tu veux, ce pote. Bon, on va dire 1, parfait. Ok, bien pris. Ah, ok, on y va. Allez, c'est parti. Se regrouper là-bas et faire un point d'assaut pour la vie. Ok, on est derrière toi. Les proches, c'est dans mon jeu. Véhicule blindé droit devant nous, chef. Ok, on est reparti, nos kids. Il est sur la route au sud de l'usine. Ouais, on dirait un BMP à nous, non? C'est le BMP à nous, je crois. C'est notre BTR, les mecs, paniquez pas. Ok, d'accord, donc il y a des murs en face. Ça donne quoi en face? Tu peux y aller ou pas? Ouais, on peut y aller. Ok, ouais, ce pote Alex, vous y allez. Nos kids et moi, on couvre. Ok, Alex, prêt. On y va. Allez, c'est parti. Allez à tous, on se regroupe bâtiment 2 et on fait un plan d'assaut. On se coupe là-bas, je vous fais ça. Prêt, Nokid? Firme. Ok, allez, on est sur l'ouverture. On vous rejoint. On est là. Ok, ouverture clean. Je me mets en face de l'autre côté de l'ouverture. Alex? Ouais. Ouais. Allez, avancez vite. Bâtiment. Allez, faut rentrer là. Oui, bah déjà je clean la cour de l'autre côté. Ok, donc c'est bon, on a le coin du bâtiment qu'on peut aller voir. Ok, on y va.
Ça venait du de l'est. Ok, on est au niveau du BMP. Ok, vous rentrez dans le bâtiment là, bâtiment 2, à vous checker. C'est le portail à gauche du véhicule allié. Ça donne quoi ce pote? J'entends rien. Je disais, on peut progresser. Tournez pas le dos à la hauteur. C'est bon, c'est checké l'intérieur, on peut rentrer. Je disais, on est un peu trop en avant du dispositif, on attend ou on continue? Allez, vous rentrez dedans, rentrez dedans. Non mais, non pas du tout, on est sur le bâtiment 2, on est là où on doit être. Continue d'avancer, allez, vas-y, avance. Pour moi, on est trop en avant. Non, c'est l'usine. T'as vérifié? Mettez-vous contre le mur, restez okay, pas. Ok, on sécurise la zone, on va jusqu'à la caravane. Transformateur, tout le monde. Ok, de vert, on est allé jusqu'au bout, jusqu'au cheminée de l'usine, là. On est jusqu'au bout, on est là-bas. On est en tout au bout de la... TA, 35 secondes pour arrêter. Ouais, et revenir sur les transformateurs, je fais un brief. Pour tout ça. Bleu, vert et rouge. Ok, bien pris pour vert. Effectivement, il y a des tirs qui viennent quand on est tout au bout de cette, cette usine. On va pas prendre de risque. Allez, on retourne en arrière. On te suit, c'est ça? Ouais, ouais, on y va, on y va. Voilà, c'est juste retourner en arrière pour faire un briefing, donc ça va. Ouais, il manque qu'on fasse de l'écoute. Drac. Oui, c'est moi, c'est moi. C'est bon. C'est... On reste là. Attention, je vais claquer. Rouge vers l'intérieur, c'est bon. Dehors, donc. Ah, tiens. Ok, vert au rapport. Je cherche le tireur et tu tapes. C'est bon. C'était fou. Alpha 2. BTR, tout va bien? Tout va bien, ils sont vivants. Je ne sais pas. Chez vous, avancez pas trop, restez sur position et neutralisez ce que vous pouvez. Ok, donc je disais, on a Alpha 1, Alpha 2, donc on va pas se précipiter, on va traiter Alpha 1 tranquillou. Et après Alpha 2, donc comment on va faire? Enfin, chose suivante, on va commencer à côté port. Donc comme ça, on saura au moins que du dos, de notre dos, on n'aura pas de renfort. Donc tranquillou. Donc on va aller à l'émission là. Ouais. Ok, on va s'amuser à prendre le port. Tac tac tac. On va aller jusque là. Voilà. Et on va remonter, par là. Faire un espèce de cercle comme ça. Tac, verrouiller le bordel et revenir par là. On y repartira au port. On fera alpha 2 de la même manière. On fera alpha 2. Le contour. Tac tac tac. Et on fera un tour comme ça en escargot. Ok. Bien pris. Ça vous va? Ouais, ça me va. Alors on fait ça, dès que le BTR a fini de taper. BTR, merci. Ok messieurs, le BTR allié arrive sur point 6. Non mais ça tire dans la flotte là. Ça tire à droite, ouais. Putain, ça rage, je comprends pas, sur une carte aussi vieille que ça. C'est pas possible. On a les impacts à droite, on est bien d'accord là? Ouais, on confirme. Ouais, donc le port nous tire dessus. Me panique pas. Non, c'est juste pour confirmer. Et on se met au centre de blanc. Ok, on a deux mondes sur le port, c'est 4. Eh bien on va commencer à taper d'ici, hein. Profitez-en, vous m'assurez tout ce que vous voyez depuis depuis cette position. Une fois que c'est bon, Ragboy, Bud, ouais. Vous longez les baraques qui font le port, donc vous marquez les points, hop, tac, tac, tac. Vous voyez le drapeau là à peu près? Ouais, tout à fait. Voilà, et bien on longe les drapeaux là, et puis une fois que c'est fait, on remontera plein nord. Donc je vous mets en gros les drapeaux. Hein. 2, oui, 2, et puis une fois que c'est fait, on aura 3. Ah, c'est pas croyable. 3. 3. Et une fois que c'est bon, on revient au point 6, au point de départ. On aura checké Alpha, d'accord? Eh mais tu peux éviter de passer devant nous le médic là? Oh, désolé, je t'ai même pas vu. C'est OP? Ça vous va? Ouais, ça va. C'est bon, les teams de feu. C'est la progression. Bah écoute, Correct Boy est prêt, bah tu y vas. Ouais, et Aynor vous suit. Allez, vert, c'est parti. Attends. Ah bah voilà, il vient de shooter bleu et rouge. Il y a un véhicule en face. Ah mais il vient juste de shooter rouge. Putain, est-ce que j'ai rouge est au tapis, ouais. Non. On n'a pas de fumigène. C'est le BMP qui les a. Ok, attends, fumigène. C'est 4.
Alex, jette des fumigènes sur la route. Jette des fumigènes. Jette des fumigènes sur la route, s'il te plaît, Alex. Écoute, moi reviens sur la plage, on va te patcher. C'est pas grave, c'est un BTR allié qui est un peu rapide. Ok, on redescend pour Noki et moi. Ah, il fait chier le BTR, ça fait deux fois qu'il fait le coup. Il y a un tank ennemi au niveau du port, au niveau des grues, il y a un tank ennemi. Attends, Bob, te fais pas shooter. Reviens, Bob, reviens. Ça, c'est un beau mur de fumée. Tiré un backblast, on va te patcher et tout, les mecs. Je suis à confirmé, il va essayer de l'engager. T'inquiète pas, c'est pas bien grave. Écoutez, vert, on va en profiter pour traverser. Allez, vert, vert, on traverse, on traverse, on traverse. On y va, on y va. On va essayer de traiter, je sais pas ce temps. Au niveau des. Vert, on a profité pour reprendre la place de rouge. Ça marche. Bon, avancez pas trop, vert, attendez que rouge... Purée de poids, là. Attendez que rouge arrive, hein. On n'est pas dans le risque. Le progrès, c'est le P. Ok, bien pris. Ok, il y a une porte, Rax, si tu veux qu'on progresse vers l'intérieur. On va attendre rouge pour l'instant. Attends, je vais juste jeter un coup d'œil. Tiens Mathieu, je l'ai prévenu, aussi que c'était détruit. Je m'en fous. Affirmatif, l'hélico nous a confirmé. Bon, on va pas passer par là. Ok, Sopote, on va nettoyer cette juste cette enceinte là, d'accord? Ouais, bah c'est ce que je disais. Allez, vas-y. On y va, on y va. Maison. Ok. Ok, vous deux vous rentrez, nous on reste en extérieur. Ok, on rentre en Okina. Deuxième porte à droite. Ok, okay, escalier. Nettoyer. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, escalier nickel. Ok, on ressort. Et on est là. Okay, je vais à droite. Ok, on revient là. De vert pour leader. Leader pour vert. Berger. On se trouve au niveau du premier drapeau à côté au nord de 6, le drapeau 6. On a nettoyé cette, cette place. Tu attends un peu, pour l'instant rouge n'est pas encore mobile, donc tu restes en sécurité, tu attends. Ok, on reste en attente avec ou couverture. Ok, Sopote et Alex au niveau du portail qui se trouve au nord, là, en 300. Ok. No kid avec moi. On se met à cette ouverture là. Ok, c'est un barrage. Ouais, ouais, je sais. On y va. On y va. Putain, y'a un mec qui a oublié de tondre la pelouse, c'est pas possible. Il y a qu'ici, y'a souvent des merdes en train de voir. Ok, l'église est ouverte. Ok, ce pote, vas-y. Ouais, moi derrière moi. Allez, allez, direction l'église là. Ok, il y a les verts, ça passe. C'est parti, je traverse. Enchaîne, on enchaîne, voiture. Il y a les verts à gauche. Quand tu veux, ce pote, on est là. Vert, on est synchro, on arrive à l'église. Bien pris, on arrive à l'église. Attention à tout ce qui est explosif au sol.
Allez, nos kids avec moi, on rentre dans l'église, on rentre dans l'église. Ça tire à l'intérieur. Contact au bout de la rue, je sais pas si c'est les alliés. Nos kids, t'es là? Ouais, j'ai un contact au bout de la rue, je sais pas si c'est les alliés. Je sais pas, mais viens avec moi dans l'église, je rentre. Merci, Spike. Bon. Ok. C'est clean l'église. Non non mais je. Ça s'ouvre pas. Allez on ressort. La prière. Vert a cliné l'église. Très bien vert et rouge. On poursuit la maison suivante. Passez par la route, passez par la flèche bleue avec bleu qui sont en position. Passez pas par la route, passez par le chemin. Okay. Okay. Ouais, position fortifiée au bout de la route. Vert, on attend que tu prennes le flanc gauche, on a aucun visuel de notre position. Ouais, on peut passer par là. Mais il faut pas passer par la route principale. Ok, Vert informe qu'au niveau de l'auto, de l'arrêt de bus, ce serait une position fortifiée, enfin légèrement. L'arrêt de bus, lequel, Rackboy? Excuse-moi, l'arrêt de bus qui est compris entre Alpha 1 et le drapeau 2. Ok, j'envoie le BTR. Ouais, on peut passer. J'ai un véhicule non armé sur le flanc nord de Rackboy. Vas-y. Allez, voilà, Rackboy, nord. Le nord, le nord. Attention, il y a ouais, ouais, je sais, je sais. Attention dans la maison là. Ok, le bêta va taper, donc restez à couvert. Traité, traité, traité. Ok. Ça me fait chier de laisser ça derrière nous là. On va y aller hein. Écoute ce pote, reste ici, couvre tout ce qui vient du nord, on va y aller avec nos kids. Nos kids, on the block. Attention vert, vous avancez pas trop dans les maisons, je vais pas. Par là, par là. Ah putain, le char est pas traité, on bouge, on bouge. Merde. Ok, attends, je regarde un peu, pousse-toi, pousse-toi. Vas-y, pardon. Moi j'ai comme un doute. Ok, de Rackboy à C4, je confirme qu'effectivement il y a un blindé qui se trouve juste à côté du drapeau 2. Je ne sais pas s'il a été traité, en tout cas il fait barrage. Ok, mais sur le proximatif que je donne au BMP. Ah, ça va, c'est bon. Il est au... j'irai au nord de drapeau 2. Bien pris, je transporte. Allez, on va rentrer. Ok. Je sais pas s'il y a une entrée, je me baisse. Ok. Je suis à droite, tu regardes par l'escalier, d'accord? Ok, bien pris. Allié clair. Ok, c'est clean. Vas-y, monte. Et oui, c'était court. Ok. Le haut là, en haut, il ok, droite, gauche. Droite pour toi, moi gauche. 1, 2, 3. À mon avis, ils ont dû aimer. Ok, c'est bon. Si on les a pas énervés. Putain, il y a encore des. J'ai oublié qu'il y avait ce bâtiment là. Ok, c'est nickel. C'est vide, on peut descendre. On peut descendre. FPS quoi. Ouais, c'est un truc de dingue. Ok, tu peux sortir. Oh, mais t'es tir 2. Quoique, ouais. Fonce, 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 fonce. Ok, on va pas passer par là. Hein. Y a le char qui est en face. Ah, la ville de celle-là. Je viens d'abattre un mec qui a pas été vu. Qu'est-ce qui se passe, Batman? On plaque devant. Ah putain, mais attends, il est où il est où Alex? Il est où Alex? Par terre là. Putain, merde. Ah, y'a plus rien. Oh putain, bouge. Couvert, couvert, couvert. Ok messieurs, content du commandement. Une fois que vous serez sur le point 2, vous resterez là, on vous regroupera au point 2. Le point 2 qui est en 0 0,66 128.
Ok, donc regroupement sur le drapeau point 2 pour tous une fois que vous êtes dessus. Ah putain, j'ai pas... Ah, il est mort. Confirmé, okay. Vert et rouge. Ok. Vert, j'ai perdu un homme, j'ai perdu un homme. Bien pris. Vous pouvez vous répéter l'ordre, je m'occupais de lui, vous pouvez vous répéter l'ordre. Vert, pouvez-vous répéter l'ordre s'il vous plaît? Le point 2, on y est à peine à 20 mètres de ce point là. Vous restez dessus avec, avec rouge, on arrive, on vous rejoint pour blanc et bleu, d'accord? On a ordre en fait d'aller au centre-ville, au niveau de la centrale, pour récupérer le grand chef des méchants et le tuer. Ok? C'est bien pris. Donc vous restez en sécurité, vous trouvez un bâtiment safe et vous attendez, on arrive sur vous. Elle est rouge. Ouais, c'est mort. Ah, je sais, je sais. Mais attends, il nous a dit de rester ici pour l'instant. Vas-y, traversez. Et t'es où, Rack? Dernier. Je couvre la progression de rouge qui vient de traverser en direction des villes. Donc on bouge pas. Allez, on vous rejoint pour l'équipe. Restez sur le point bleu, on arrive. Pas le point violet, pas. Ah non, bougez pas. Bougez pas pour l'instant. Putain, chier. En même temps, il était caché au fin fond du bâtiment à plat ventre. Ouais, je l'ai vu, ouais. Même de là, on distingue à peine son camo. Il est enfoiré. Dans le resto en face, là? Ah oui, non, le resto, ouais. Ouais, je vois, je vois. Toi, il y a le poteau. Enfin, moi, je suis juste en face derrière, du poteau de... Ouais. C'est bizarre d'avoir autant de morphine, autant de garrot. Ouais, la mairie est juste là. Ok. Ok, de l'équipe au point 2. Ok, on est là, ouais. Il est mort, non, je crois qu'il est mort, Bob. Ah, il est mort. Ouais, il est mort. Sinon, okay. Le reste, ça va, pas besoin de... Non, 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 c'est bon, c'est bon. Ok, C4, on est là. Vert, rouge a traversé la route, en plus, vers le nord. Et bien, on va au point 2, c'est parti. Ok, c'est parti, allez, on bouge vers, on bouge. On passe pas par la grande place, hein, c'est trop risqué. C4, tu veux qu'on... Tu veux qu'on soit à mettre? Ouais. Alors on fait quoi? On fait le grand tour par la gauche ou on fonce le long du mur? Attends, je suis perdu là. On va le capturer, avec le joueur, je pense qu'on va plutôt l'abattre. Moi je dis autant prendre appui sur ces fameux sacs de sable. Ouais, allons-y. D'Alpha, bien sûr. Vas-y Alex. Ah bah non, il est mort, merde. Bon bah j'y vais. Non mais ça nous fait traverser la grande place, c'est ce que je voulais dire. Ok, Kipro, j'en arrive au point. Ok, Kipro, j'en arrive. Sur les toits en haut à gauche, c'est qui? C'est méchant. Quel est toi, tu mets quand? Pardon, ouais, c'est pour ça. Bah, je voulais pas traverser. Bon, on le suit. Ok, c'est bon pour moi. T'as vraiment du pot. J'ai pas de pot si je suis dans les bons angles de vision. On traverse à fond. Ok, attends, stand-by okay, deux donc. Secondes là. Perdu. Donc c'était très simple, là où j'étais, je sais où j'étais. Ils ont un VIP sur la position 069229 et ils veulent qu'on aille vérifier. Ok, clear. Excuse-moi, c'est 4, mais j'ai un doute là. Tu peux me redonner où est-ce qu'on est et me dire où est-ce qu'on va parce que j'ai perdu les pédales. Alors là, il faut que tu partes sur un azimut 300. On va sur le point 2, violet. Ok, bien pris, merci. Ce pote, t'as entendu? À la direction plane. Ouais, la route est complètement barricadée un peu partout. Ok, ah, d'accord, on parle. Allez, par là. Vas-y. Non, mais je
plein nord, on vise les silos ou pas? Oh, on va avancer, oui, on vise les silos. Là. Ok. Allez, traverse, traverse. C'est le BMP qui est là-bas. Ok. Vers AC4, notre point de chute s'il te plaît. En gros il faut qu'on check l'usine devant nous. Apparemment il y a forte présomption que le VIP soit là et Bravo a pas de paires dans le secteur. Donc secteur chaud, Bravo donc tire, enfin je veux dire possible allié sur place et zone aussi là. Donc préparez-vous que ce soit très compliqué. Ok c'est bien pris. Donc on va ratisser l'usine de centre-ville, donc vous partez à ouest, on va revenir sur okay, le nord-est. Ouverture sur les îles. Ouverture sur les îles et on peut prendre appui sur un bâtiment en ruine. Prêt? Ouais. Ah on n'aura pas mieux hein. Allez on fonce. Vous, quel est au nord-ouest du BMP là, devant le BMP? Vert est devant le BMP entre une carcasse d'hélicoptère. On a du monde à l'aide du BMP. Ah, putain tu m'as fait peur. Ok messieurs stop, revenez oui, sur vos pas. On a chopé le VIP, ils ont pu choper le VIP, donc on a plus d'aller là-bas, on va pas risquer la mort pour pas grand chose. Vous revenez sur vos pas, on va repartir à la mer, c'est évacué d'accord. Allez. On te rend désolé, marche arrière. Le bien pris, on revient sur la position. Voilà, donc vous renquillez dans le sens inverse et vous suivez vos teammates. Vert, c'est prêt, on y va. Bleu, c'est pris. Ok, donc rendez-vous sur le point le point 6. Alors rendez-vous point 6 sur la plage, ok. On s'évacue là-bas. Ok, je repasse devant. C'est pris pour vert, bien bleu pris et pour vert. Rouge. Confirmez maintenant, vert c'est bon, bleu c'est bon. Vert c'est bon. Rouge c'est bon, okay, on y va, rendez-vous là. Ok. Je vais pas juste sacrifier un OV. Je sais pas par où tu nous fais passer, mais c'est... Vert est au milieu de la place, près de la statue. Est-ce qu'on a des alliés au nord-est? C'est bien pris, on poursuit. Nord-est, peut-être. Il y a des troupes en face là-bas là. Je vois pas non. Ouais c'est pas grave, allez on continue. Allez ça pote. C'est du suicide. Bon bah bravo, on a réussi. Voilà. Oh, j'en ai tué 5. J'ai tué 2 personnes. Tu l'as construit les balles? Non, chut, on va. Chut. Bon. Ouais, du coup le char il était bien mis. Bah apparemment. C'est ça. Bon, ok, bien vu à Vox. J'espère que la mission vous aura plu. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Si c'était... Il y a eu un peu trop d'action, si on n'a pas assez eu justement. Côté de chacun. Bah, et... vu des heures, j'ai l'impression qu'il y avait du boulot pour un peu tout le monde, quoi. Ah. Eh bien, on va laisser débriefer le DSL. Et le commandement. Pour le commandement, bien passé. Un petit peu long à se mettre en place au début. On a remanié un peu le plan. Sinon ça a été pour moi ça a été, le boulot a été fait, on n'a pas eu trop de pertes, pas mal de problèmes pour joindre les mecs à la radio, ça mettait du temps à répondre, Rhino, Fantôme à la fin, à la fin. J'étais mort donc Oui mais toi oui je sais ouais, t'étais mort, merci. On a envoyé une médaille à ta famille avec la facture de la médaille bien sûr.
On est russe, faut l'oublier. On est russe, ils ont pas de médaille. Hein? Il y a des médailles quand même chez les russes. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas eu. Ça a été. Ça a été nickel. Le boulot a été fait par tout le monde, sans trop de pertes. Donc c'est royal. Le VIP a été capturé vivant. Donc chapeau. Après, Alpha. Pas ou mouche si t'as quelque chose à dire. Non. À part la fin, là, il y avait des problèmes de com, sinon c'était plutôt propre même. Donc pour la radio, c'était bien. Alpha. Ok, alors Alpha. Alors Alpha, bien. Bonne soirée, bonne équipe. D'un point de vue tactique. Je pense qu'on a plutôt pas mal marché sur l'infanterie mécanisée ce soir. C'est plutôt rare. On l'a su le faire, c'était assez surprenant. Moi, le premier, j'étais assez étonné, agréablement. J'avais un peu mal quoi au début avec le plan que tu avais fait, Galou, comme je te l'ai expliqué. Finalement, c'est passé, donc tant mieux, parfait. Donc très bon boulot des TL ce soir, vraiment, je tiens à dire, bravo à Enor, Bud et Ragboy, hein. Bon boulot, vraiment, très peu de pertes effectivement, je crois une perte ou deux sur tous les villages qu'on a pu taper, ou les villes, donc c'est assez intéressant et assez remarquable pour le souligner, je crois. Non, franchement, très réactif, bonne progression, donc du coup, pour Alpha, on a joué de progression en tiroir, à la fois entre les équipes, les TL, et le BTR, qui non, le BMP, je crois, pas BTR. Ouais, c'est ça, BMP, ouais. Qui nous a beaucoup aidé. Bon bout de leur part aussi. Alors eux, je sais pas comment ils l'ont vécu, nous dirons après. Mais ils nous ont clairement aidé et on a bien bossé ensemble. Enfin, du moins, j'ai eu l'impression. Voilà, je peux pas réellement vous dire mieux. Merci Damskia, c'est une bonne mission. C'est une bonne mission. Je pense qu'on a fait le boulot. Voilà. Si il est tel, vous le rajoutez. Bon lead de ta part, C4, et puis très bonne squad. C'était très agréable d'avoir Ragboy et Bud en côté L, et c'est une très très bonne équipe, ça jouait très bien, c'était très agréable. Je trouve. Alors, on a pas encore fait beaucoup de choses, parce que bon, il y avait les hélicos, il y avait, bon, on s'est pas fait chier non plus, et puis c'était super propre comme jeu, et ça mérite d'être dit. Tout à fait. Une ambiance assez prenante. Bravo GM. Voilà, c'est temporisé et pas trop de pertes, c'est ce qui compte. Voilà. Donc du coup peut-être BMP3, comme il s'était affecté à Alpha maintenant, pour que ce soit peut-être plus raccord. Ouais. Ça sera plus simple. Ouais. Je suis assez d'accord que. Je pensais vraiment pas, enfin j'avais vraiment pas idée que c'était aussi puissant que ça le Backblast. Ouais. Et mon plan était un peu prévu ainsi. Bon, c'est un peu l'erreur du tireur, du leader, des leaders. Donc voilà, c'est pas non plus bien grave, effectivement. Ouais. On en a tiré une deuxième aussi qui a couché deux mecs, mais là c'était un réflexe de Kiki, parce qu'on a tourné le coin et il a vu un canon au bout de la rue, pardon. Et du coup, par réflexe, il avait la hache chargée, il a tiré directement. C'est pour ça que ça couchait moins de mecs, c'est que c'était la TGM qui était partie. Ok, d'accord, ouais, bah ouais. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas eu grand chose à dire. Hein. C'était assez plaisant, effectivement, que ça ait bien marché en tant qu'infanterie mécanisée, quoi. Il y a des moments où on attendait un peu, il se passait pas grand chose, mais bon, ça fait un peu partie du job, quoi. Ah, non, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on a servi strictement à rien, mis à part en mur de balles, non, c'est tout. C'est la seule impression que ça a donné dans un jeu. C'est que le char il servait juste à prendre des balles et puis on aurait pu mettre une personne, on aurait pas vu la différence ce soir, je pense.
Pourtant, on a entendu défourailler quoi. T'as pas tiré. Bah ouais, t'as pas mal tiré et puis en même temps, c'est aussi un peu le but d'un de l'infanterie mécanisée quoi. Red, tu peux baisser ton micro oui. Parce que là, tu trois fois plus fort que tu sais, tu as. Désolé. Non, c'est juste qu'à chaque fois que je tirais, que je voyais quelqu'un, je tirais tout ce que j'avais et je tirais autour pour donner l'impression de tirer en fait. Mais non, on a vu personne, j'ai dû voir 8 bots à tout casser ce soir. Avec de la chance. Et pour ma part, c'est une vraie savonnette. Et donc, il vaut mieux choisir un autre véhicule ouais. Pour, plutôt que ça. Parce que ça, d'un moment, il s'est coincé dans un tas de feuilles. Mais quand j'ai un tas de feuilles, c'est un petit qui bordait la route, hein, c'est pas un gros. Donc on pouvait plus bouger, j'ai dû tourner sur moi-même. On a fait un 720 sans problème pour se décoincer. Enfin pas possible quoi. Et puis l'accélération est, elle est pas possible quoi. Je fais du 0 au 20 et du coup bah j'ai failli rentrer plusieurs fois dans des alliés. Donc ouais pour le coup le véhicule est vraiment pas terrible par contre au niveau de la maniabilité on n'arrive pas à aller doucement, à peine on accélère, il part comme s'il se levait quoi. Et effectivement, pareil pour tourner, il glisse et tout, c'est pas hyper pratique. De toute façon, on verra la suite de la mission, le matériel qu'on aura. Mais pour revenir à ce que Kiki disait, hein, c'est un peu aussi ça, comme dit Damskala dans le chat, de l'infanterie mécanisée, bah, c'est aussi ça, hein, ça sert à prendre les balles de petit calibre, à protéger l'infanterie, puis si jamais ils ont besoin de support, bah là on s'avance un peu, on tire et après on recule quoi. Donc bah c'est ce qu'on a fait. Ah, mais y a pas de problème, hein, mais c'est ce que je disais du coup. Du coup tu mets une personne dans le char, tu mets pas trois personnes. Ça revient. Bon, bravo. Ouais, bon bah alors deux bravo. Globalement, bah pareil, une assez bonne soirée. Bon après c'est vrai que ça change, nous on était pour le coup pas super mécanisés. Le deuxième objectif, parce que le premier je crois qu'il y avait quasiment rien, mais le deuxième objectif était assez intéressant, on a sécurisé une ville entière et ça c'était cool, pendant qu'Alpha tapait l'embarcadère. Donc là on a bien géré, j'ai trouvé, il y avait une super cohésion entre mes deux teams, j'avais une super squad honnêtement, voilà, vraiment bien, le médic, le radio aussi, très bien. Pas de perte à déplorer si ce n'est si, un mec chez Rouge je crois, Koj. Koj affirme. Ouais. Ouais en fait ça s'est passé en fait sur la fin, le dernier objectif. Malheureusement on a. Bon ça devait être une perte de concentration aussi bien de ma part que de la part d'un peu les autres. Également on a fait fausse route, on est parti bien trop au nord à un moment ou à un autre. On s'est retrouvé un petit peu à très loin de l'objectif, du coup il a fallu revenir, c'était un petit peu délicat, on était un peu oppressé par le temps. Résultat, on a abordé le dernier objectif un peu à la Walou. Bon, c'est pas grave, on a pu rectifier le tir, mais ça a pas loupé, hein. Dès qu'on s'est fait engager, c'est là où on a eu une perte, Koj, et moi j'étais gravement touché, mais bon, heureusement on avait un super médic ce soir. Bravo Radio aussi qui a repris temporairement le lead d'une manière assez efficace, donc c'est bien, Slight hein, continue, c'est vraiment cool. Et puis bah après bon c'était un peu brouillon le dernier objectif parce que finalement pour clearer tout ce qu'on avait à clearer et vu le retard qu'on avait accumulé plus l'avancement d'Alpha et des autres teams, on n'a pas eu le temps de tout faire, donc du coup on a fait vraiment au plus pressé, on s'est retrouvé à faire des ordres contre ordres, c'était un peu plus brouillon sur la fin sur mon lead en tout cas, je l'ai ressenti. Du coup bon bah j'étais peut-être un peu plus brouillon, ça a été peut-être un peu plus difficile pour les TL, mais bon, mis à part ça, pour moi de mon côté j'ai passé une agréable soirée. Ça change, on n'a pas beaucoup tiré, c'est vrai, j'en ai entendu certains qui qui râlaient parce qu'ils n'avaient pas beaucoup tiré ou qui s'emmerdaient. Bah c'était le principe de la mission et je trouve qu'il faut qu'on sache aussi accepter ça quoi, et je trouve que c'est même assez intéressant et c'est même pas plus mal de travailler un petit peu nos progressions, etc. Donc voilà, bon globalement j'ai trouvé que c'était intéressant, si les deux TL ont des choses à rajouter. Non, juste de rouge, en fait Koch c'est juste qu'il a sorti la tête, on va dire, pour voir le mec qui nous tirait dessus, et puis ça l'a pas loupé, il a pris un hitchhot, ouais, en plein dans la tête. Hein. Voilà, c'est en plein dans la tête et il est tombé direct quoi. C'est vraiment faute à pas de chance, ça aurait pu arriver à n'importe qui, voilà, il a sorti la tête quoi.
Même pas une seconde, mais ça a suffi, quoi. Donc vraiment. Voilà, sinon bonne soirée pour ma part, et bon lit de Toulouse, merci à Bravo, merci à Rouge, puis merci à tous, merci au GM. Bon, j'ai rajouté, sauf que bah, dès qu'on est rentré dans la dernière ville, moi j'ai eu que des freezes, de genre à chaque fois qu'il y avait un gros tir de char ou de hélicoptère, déjà que j'avais pas de FP, quasiment peu de FPS en ville, bah, je freezais pendant 4-5 secondes. Puis ça revenait, donc niveau perf, autant la plupart des petits villages ça allait, mais dès qu'on est rentré dans la dernière ville, c'était affreux quoi niveau jeu. Ouais, je confirme, de Narcel, c'était à peu près pareil, on avait beaucoup de baisse de FPS. Alors voilà, ça donnait galère. Une progression CQB en une ville comme ça, dans un complexe, avec des freezes immenses de 5 secondes tous les 2 minutes, bah, c'est pas la joie quoi, surtout que j'avais pas l'impression qu'il y avait grand chose dans la ville, niveau objet je parle. Donc je sais pas pourquoi en fait ça frisait autant quoi. Souvent le nombre de véhicules. À mon avis c'était la fumée, je voulais t'envoyer un message à Damskia, mais j'ai un peu zoné à ce moment-là. C'est les tout ce qui est objet qui génère de la fumée sont un peu balèzes à faire hyperf. Bah voilà, moi j'ai trouvé ça dommage que quand même les autres villages étaient passés tranquilles niveau FPS, et là bah, rien qu'en rentrant de la ville, bah, quasiment impossible de jouer quoi. Et sinon ouais, l'infanterie mécanisée avec le char, putain de bordel quoi. Ah ouais, je voulais en parler d'ailleurs. Alors ouais. Les mecs se placer, le char qui avance, bref, ça c'était dégueulasse quoi. C'était moche ouais. Déjà une infanterie mécanisée avec un char dans une ville, ça n'a pas de sens. Normalement on fait ça avec un BMP ou un BTR, mais pas avec un char quoi, parce que c'est pas simple à manœuvrer, c'est pas fait pour quoi. Mais rien que le placement, ouais, le looping à ce moment-là, c'est vrai qu'à la fin c'était compliqué de te suivre quoi, hein, parce que c'était des ordres qui se contredisaient souvent. Bah, disons qu'après le char était pas mal occupé sur d'autres objectifs à chaque fois, donc le temps où ça se mettait en place il fallait qu'il parte, donc bon au bout d'un moment je t'avoue que moi aussi j'ai laissé tomber. Looping, quel ordre et contre-ordre vous a donné? Je me rappelle pas avoir donné des contre-ordres à part nettoyer Ah non mais je parle pas de toi, c'est lui tout seul, je parle pas de toi, hein, je parle pas de toi, je parle de moi, je parle tout simplement qu'à la fin ouais c'était un peu brouillon de ma part, qu'il a fallu dire à droite, à gauche, et en réalité bah, revenez sur vos pas, c'est bon on va pas le faire parce qu'il fallait avancer. Le fait qu'on avait accumulé un peu de retard par notre petit détour là touristique, c'était pas des plus faciles pour reprendre. Mais bon, mis à part ça, voilà, c'est arrivé deux fois et puis ça s'est très bien goupillé. Hein. Ouais, ouais, par contre, clairement, on pouvait pas progresser avec le char. Ne serait-ce que par le. Enfin, c'était un petit peu. Pour moi, la topographie du terrain nous permettait pas d'avancer avec un char. Tout des ruines de partout. Il y avait un AT, il se faisait déglinguer en 2-2. Hein. Ah bah, après, c'est pour ça que les chars étaient. Que ce soit le BMP était à alpha. Rien que les chars étaient plus ou moins aussi sous votre temps. Il était pas possible, fallait pas le faire rentrer en ville. Hein. Je sais pas, à un moment mon radio m'a dit qu'il fallait impérativement l'utiliser. Bref, mais c'est pas grave. Ouais, puis de toute façon, si tu veux, j'ai envie de te dire, le peu de fois où je lui ai donné un ordre, deux secondes après, il avait un autre ordre pour aller ailleurs, donner un coup de main, je sais plus trop quoi. Enfin bon bref. Donc quelque part, c'est pas plus mal. Hein. Nous, ça nous a libérés. Oui, clairement. Du coup, on a pu reprendre un peu ce qu'on avait fait toute la soirée, à savoir progresser d'une manière un peu plus cohérente. Bon, c'est vrai qu'à la fin, c'était un peu le bordel quand même, faut le dire. Et je m'en excuse auprès des gens, c'est certainement dû à moi. Le reste de la mission était bien, et de toute façon, on a cligné quasiment toute la zone. Ce que je retire, c'est qu'il n'y a eu qu'une seule perte, et c'est pas mal. Voilà. Bon, mais voilà. De perte, tu veux dire? Oui. Bah ouais, même moi sur la fin, hein, baisse de FPS, je tue le premier gars, je rentre juste le portail, paf, je me suis couché direct, quoi, de toute façon je pouvais même pas le voir, j'arrivais plus à rien voir. Mais sinon je suis revenu. Non, je parlais de la... Tu parlais des mecs qui ont couru sur le tarmac. Voilà. Ah ouais. Ah ça. Oui, il y a eu ça là, bon, on soupçonne qu'il y ait eu un TK, mais franchement... Je sais pas, ils sont là les deux loulous là. Bah y a Ivan qui est là. Il est parti Arclion. Ouais. Il s'est fait tuer Arclion, non? Oui. Non.
Non mais juste Ivan, quand tu vas chercher un véhicule, cours pas comme un débile sur le tarmac en plein milieu. Ah, c'est pas du tout sur le tarmac que je me suis fait tirer, c'est dans la ville. Non, c'est dans la ville, mais que tu foutais dans la ville. Bah franchement, vu que j'avais pas vu où on a laissé le véhicule, j'ai pris exactement le même chemin dans l'autre sens. Mais t'aurais dû demander, il fallait que tu passes par le nord de l'aéroport et que dès que tu vois la forêt, tu trouves la route en plein milieu et tu la suis. Parce que là en fait t'es rebroussé le chemin alors que il y avait des équipes qui manœuvraient dans le truc quoi. Voilà, mais moi je. Dans ma tête, tu vois, c'était plus clean que l'autre partie de l'aéroport que j'avais pas vu quoi. Non. Voilà, ouais, bon, enfin, sinon globalement c'était bien, et en fait même pas globalement, enfin si, ouais. 90% c'était génial, il y a eu ces 10% d'axes d'amélioration de mon côté, et puis peut-être un dernier truc les gars, quand vous êtes pas content que la mission vous plaît pas, arrêtez de râler, ça sert à rien de râler, vous faites avec, et à la rigueur si vous êtes pas content, vous le dites au débrief, voilà, ça c'est tout ce que, c'est mon petit message personnel aux personnes qui se reconnaîtront. Mais vraiment, soyez un peu plus, enfin voilà, respectez les autres qui eux kiffent un peu et voilà, ok. Et puis sinon, GM, merci pour la mission. C'est toujours looping, bravo. Je peux te voir, fait, s'il te plaît. Hein. Ouais. Sale formateur. Merci. C'est toi le sale formateur. Et donc, Phantom n'a pas eu de problème. On nous a dit qu'il s'était fait wipe au niveau de l'aéroport. Peut-être finir le déwipe. Ouais, il reste Fantôme et Rhino. Ouais. Et pardon. Les hôtels aussi. Et hôtel unité, oui, pardon. Alors, Trognac pour Fantôme. Alors, deux fantômes, donc moi j'effectue le début, entre guillemets, de la mission. On s'est approché, effectivement, silencieusement, on a réussi à faire un premier spot et à signaler qu'il y avait des canons de char à l'entrée de Balota. On en avait vu au moins un, et comme la priorité sur la DCA, on a reculé. On s'est arrêté sur un flanc où j'ai vu personne, alors là je vous lave les yeux avant de jouer en mission, j'ai vu personne et j'ai dit à mon équipe bon, on profite, ça va nous faire gagner facilement une demi-heure, trois quarts d'heure de contournement, donc Taïo on y va, donc on reste deux en couverture, deux qui traversent et les mecs une fois qu'ils ont fait 50 mètres, il restait 50 mètres de découvert, on se fait engager par deux positions différentes en même temps, je vois vraiment une tenaille alors qu'on s'était pas fait repérer avant. Sûrement la faute a pas de chance, mais waouh ce qu'on a pris cher. On se replie tant bien que mal, et là je demande un site rep de comment va tout le monde. Je savais qu'il y en avait deux qui avaient les jambes pétées, donc c'était repli jusqu'à la voiture. Je l'informe le commandement, on n'est plus opérationnel, il nous faut un médecin, moi-même gravement touché. Le commandant me dit qu'il faut absolument spotter la DCA, donc je décide d'offrir la vie à mes hommes et à leur dire d'aller voir un médecin, moi je continue tout seul. Donc là pour eux, une bonne phase de se repérer dans la pampa et retrouver un médecin. Pour moi m'approcher de l'aéroport difficilement, sans GPS ça fait mal. Hein. C'est pas si évident que ça, j'arrive quand même dessus, dur de trouver la DCA. J'ai fait au moins 4 points de spot qui m'ont fait faire 3-4 km, désolé que ça a été lent, c'est pour ça que ça a été lent. Et au final je tombe dessus et j'ai un visuel dessus mais j'arrive même pas à dire si ça allait cramer ou pas. Et ensuite je sais pas trop ce qui s'est passé, ils ont réussi à mon équipe a réussi à recoller sur moi mais je suis mort de mes blessures antérieures par manque de bandage. Ah, Mips ou Mino, je sais pas qui a repris le vide. Après ta mort, Trognac, on a décidé de. Bah de venir d'aller chercher ta longue portée quoi, parce qu'on n'aurait pas pu continuer la mission sans. Donc on a réussi à se faire un chemin clean sans se faire repérer par quoi que ce soit. On a réussi à récupérer la longue portée et puis on est allé sur un point haut pour effectuer le reste de la mission, donc qui était de spotter sur la ville. Je pense qu'on a plutôt bien réussi, on a plutôt bien spoté, on a essayé de... Malgré le brouillard et le manque d'indication sur map, parce que c'était assez chaud de placer des points qui étaient, enfin des choses qui étaient à 1,5 km de nous. Et puis c'est tout, on a très, enfin pour ma part, j'ai adoré jouer avec ma squad. Et merci beaucoup Trognac pour cette pour ce lead. Ouais. Sinon sur la mission. Juste un truc à dire, Adamska, c'est dommage que t'aies pas viré le voile noir qu'on a autour de l'écran.
C'est un truc, je sais que tout le monde ne l'a pas, mais faut penser, c'est un truc super chiant à avoir un voile noir tout dégueulasse. Il y a un truc dans l'init qu'il faut virer, elle fait pas tout le monde. Ouais, c'est vrai que ça l'a pas fait à tout le monde, et je l'ai pas eu, mais... Non plus, ouais. C'est une ligne de code à retirer, hein, c'est ça, Troniac? Ou enfin, à changer, changer un paramètre. Juste avant la fin de votre film, j'ai une question là pour Mips et les autres snipers. Vous avez trouvé un véhicule pour revenir ou pas? Ah, on n'est pas revenu. On est sur les médecins. Oui, non, mais je veux dire pour, ouais, pour venir au médecin parce que bah, oui, c'était le véhicule. Quoi. Vous étiez tapé tout le truc en marchant. Bah non, on a eu repris le véhicule pour faire demi-tour. Après, on a reparti en véhicule. On a pris la main de... enfin, le copain. Merci à vous d'avoir suivi cette mission. N'hésitez pas à vous abonner à Facebook, Google Plus ou à la chaîne ou même à Twitter pour connaître les dernières informations. Il y a effectivement peu de chances que je fasse un live mercredi prochain, peut-être un autre jour dans la semaine, mais peut-être pas chez voir les gens, je ne sais pas encore. C'est priorité à la plage, il faut bien que j'en profite un petit peu. J'espère que vous avez passé vos vacances, que vous allez peut-être en passer. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit message, ça me fera toujours plaisir. Allez, à la prochaine, ciao ciao. We'll be right back.